Bonjour tout le monde, je suis Sharon Wood, présidente et directrice générale de Jeunesse Chicout. Je voulais juste dire un gros merci à Belle. Si vous visionnez cette vidéo, l'idée de marcher pour Jeunesse Chicout vous a traversé l'esprit, ou l'idée de commanditer quelqu'un qui marche, ou bien vous êtes déjà inscrit, alors merci. Parce que vous nous aidez à rencontrer notre objectif de collecter 3 millions de dollars cette année. Mais il ne s'agit pas seulement d'objectifs ou de chiffres. Il s'agit de changer des vies. Il s'agit de façonner l'avenir de nos enfants. C'est ce que font nos intervenants. Lorsqu'ils parlent aux jeunes, au téléphone ou en ligne, nos intervenants façonnent une génération de jeunes qui croient en leur pouvoir d'agir et de prendre des décisions les concernant. C'est toute une promesse que nous faisons aux jeunes. Mais quand vous lisez les notes laissées sur notre site web, comme celles que je vais vous lire, c'est difficile de ne pas choisir d'être là pour les jeunes et de nos collectivités. L'école est ce qui me déchire en ce moment. J'arrive tout simplement à m'y faire. C'est seulement le quatrième jour et déjà je reviens à la maison et je pleure toutes les larmes de mon cours le soir. Je retiens mes larmes en classe, je retiens mes larmes quand je vais d'un cours à l'autre, je retiens mes larmes quand je marche jusqu'à la maison. Quand j'arrive chez moi, je retiens mes larmes jusqu'à ce que je me roule en boule dans mon lit et je me laisse aller. Je ne peux plus continuer comme ça, je suis tellement découragée. Il faut que ça cesse tout de suite. Je dois dire que nous sommes encore loin d'avoir cette année le financement nécessaire pour répondre aux centaines d'appels et de mots affichés en ligne chaque jour. Mais il n'est pas trop tard. Continuons à mobiliser des fonds, chaque dollar compte. Grâce à votre aide, nous pouvons être à l'écoute des jeunes quand ils en ont le plus besoin. Nous ne changeons pas des vies. Les employés de Bell le font. Merci mille fois. Le dimanche 2 mai, s'il vous plaît, marchez, faites des promesses de dons, portez-vous bénévole afin que Jeunesse Chicout puisse continuer d'être à l'écoute des jeunes.